Martin Forgues est loin d'être un inconnu pour les Québécois. Il est entré dans la vie professionnelle en tant que soldat dans les forces canadiennes pendant 11 ans et a participé à deux interventions à l'étranger, Afghanistan et Bosnie. De ce passage dans l'armée, il a tiré un livre très critique. « L'Afghanicide, cette guerre qu'on ne voulait pas gagner », c'est le titre. Une expérience unique que la sienne, puisqu'il est maintenant journaliste. Journaliste indépendant, clame-t-il partout, et pour lui, le qualificatif est peut-être aussi important que le mot auquel il se rattache. C'est cet amour pour l'indépendance qui le pousse à écrire un second livre sur une personnalité dérangeante du Québec, le journaliste Gilles Courtemanche, journaliste indigné, précise la couverture de ce livre dont le titre est « Juste colère ». Mais indépendant, Martin Forgues est aussi un grand reporter. Couverture de conflits, bien sûr, il est reparti en Afghanistan et est allé au Mali pour Radio-Canada et le quotidien La Presse, mais Martin Forgues touche à tous les supports, les hebdos, avec l'actualité et le plus contestataire Ricochet, mais aussi l'Internet et la télévision pour Vice notamment. Il est aussi producteur. Alors je disais tout à l'heure, avant qu'on ouvre le micro, que vous étiez un curieux personnage. Bon, on va faire rapide et puis après on va revenir dans le détail. Okay. Moi le truc qui me... Il y a deux choses qui me sidèrent. D'abord, dans votre curriculum vitae, vous êtes militaire de formation. Vous allez en Afghanistan, vous faites la guerre là-bas dans le contingent canadien. Et vous rentrez, vous abandonnez pour le journalisme. Et puis je vois que vous êtes objecteur de conscience en même temps. Alors comment on peut faire ça? Un est un peu la suite de l'autre. C'est-à-dire que oui, j'étais militaire, vous le dites, j'étais militaire de formation, mais au travers de ma vingtaine, je suis aussi allé à l'université. J'ai passé une bonne partie de ma carrière militaire dans la réserve à temps partiel. Donc, ça m'a permis aussi de poursuivre des études en journalisme, en sciences politiques, notamment. Cette objection de conscience-là, je vous dirais qu'elle a peut-être commencé, vers l'âge de 18 ans, quand j'ai commencé mon parcours collégial, où j'ai été initié à la philosophie, à la science politique, tout ça. Parce que bon, je viens d'une famille, je viens d'un milieu familial assez conservateur, donc ce ne sont pas des choses qui se sont manifestées durant ma jeunesse. Donc, avec le recul, c'est facile de le faire, mais j'ai l'impression que c'est peut-être... L'objection de conscience, cette volonté d'indignation, de dénonciation, ça a peut-être commencé justement à ce moment-là, quand j'ai commencé à fréquenter le cégep en sciences humaines. Mais ça ne m'a pas empêché de m'enrôler dans l'armée, d'avoir cette espèce d'idéalisme-là qui m'a... C'est un peu ça qui m'a guidé d'ailleurs, parce que moi, ce que je voulais à l'époque, il faut se rappeler que je me suis enrôlé avant le 11 septembre, donc le contexte militaire canadien était complètement différent. Le Canada se déployait dans des missions de maintien de la paix. Je me voyais déjà comme casque bleu, que ce soit en Afrique ou en Bosnie ou peu importe. C'était coopérant en maintien de la paix. Oui, c'est ça. J'avais encore cette vision de l'armée comme... du militaire comme vecteur d'aide humanitaire, si on veut. Défenseur du droit. Défenseur du droit. Appelez-le comme vous voulez. Là. Mais c'est un mythe qui est très, très fort au Canada. Ça aussi, il faut le souligner. Surtout depuis la fin des années 80, quand les casques bleus ont reçu le prix Nobel de la paix, d'ailleurs. Donc c'est avec cette philosophie-là que je me suis enrôlé dans l'armée. Mais évidemment, bon, il y a eu le 11 septembre, il y a eu toute la transformation de la philosophie militaire au Canada. Il y a eu la guerre en Irak à laquelle le Canada s'est opposé. Et quand moi je voyais ça de mon point de vue dans les rangs de l'armée canadienne, toute la controverse autour de la légalité, et je voyais un peu où ça commençait à s'en aller en Occident. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer ma carrière et de croire encore à ces idéaux-là qui m'ont mené à joindre les rangs de l'armée. Là est arrivé l'Afghanistan. Je me suis porté volontaire pour m'y rendre. J'ai passé 7 mois là-bas comme soldat dans une compagnie d'infanterie. Mais quand j'étais là-bas, c'est là, je pense, qu'il y a eu vraiment un déclic. Il y a une espèce d'éveil en voyant... parce que, bon, mon travail à moi, la tâche de ma compagnie d'infanterie, c'était d'assurer la sécurité de ce qu'on appelle l'équipe provinciale de reconstruction
C'était une équipe qui était composée de civils, de militaires, de représentants du gouvernement du Canada. Il y avait des équipes de liaison avec le gouvernement afghan. Ils étaient en charge de projets de reconstruction, de faire signer des contrats à des entreprises locales, tout ça. Donc, mais on sait, l'Afghanistan, c'est un pays extrêmement corrompu. Et on voyait tous ces entrepreneurs qui venaient rencontrer des officiers, le passage d'argent, les locaux, les citoyens afghans qui nous disaient « Lui, c'est une crapule, tout ça, pourquoi vous faites affaire avec lui? » Et au travers du contact avec la population locale, avec nos interprètes, bon, je suis quelqu'un d'assez curieux. Je ne pratiquerais pas le métier si je ne l'étais pas, donc je parlais beaucoup avec les locaux autant qu'on le pouvait. Et je me suis beaucoup imprégné de ça. Et ça m'a fait réaliser que c'est là que je vous dirais tout le discours critique que j'ai aujourd'hui envers cette guerre-là, envers le militarisme en général, c'est un peu là que ça a commencé vraiment à se cristalliser, je dirais, parce que, bon, là, je le voyais concrètement et je voyais une dissonance complète avec tout ce qu'on nous disait qu'on faisait. Le meilleur exemple, c'était, on nous disait, bon, hein, vous allez vous battre pour que les petites Afghanes puissent aller à l'école. Bon, sur le terrain, on voyait que c'était absolument pas vrai, que c'était pas du tout un des objectifs de cette guerre-là. On nous disait ça, bon, évidemment. On était toujours... Les leaders essaient toujours de stimuler le moral des troupes en nous investissant, en disant qu'on est investi de ce genre de mission-là, mais c'est absolument pas vrai. On sait que c'est pour accomplir des objectifs qui nous dans des sphères qui nous dépassent complètement. Oui, mais n'empêche que c'est quand même une réalité. Quand les talibans sont pas au pouvoir, les filles ont la possibilité d'aller à l'école. Elles ont la possibilité. Quand les talibans sont au pouvoir, elles n'ont même plus la possibilité. Ah, ben voilà. Et là, vous touchez un point qui est très sensible parce que vous enlevez les talibans de l'équation, il reste toute la tradition, il reste toute la... Parce que, bon, la société afghane, c'est une société qui est très conservatrice dans ses racines les plus profondes. Donc, si c'est pas les talibans qui vont les empêcher d'y aller, ça va être leur famille. Ou encore même les conditions économiques qui font que, comme les petits garçons, les petites filles vont devoir rester et travailler, vont devoir aider la famille. Et ça, qu'on ait les talibans ou pas, il y a des conditions économiques, sociales, il y a une instabilité qu'on n'était absolument pas là pour... c'est des problèmes, on n'était pas là pour régler ce genre de problème-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques mois, j'ai croisé un ancien officier de l'armée avec qui j'ai servi, qui, lui, on s'est retrouvé dans des quartiers généraux à très haut niveau dans sa carrière, a servi en Afghanistan dans un gros quartier général. Et puis, on a eu cette discussion-là autour de tout ce que je dis sur l'Afghanistan, de mon premier essai, l'Afghanicide, dans lequel j'éteins un peu plus mes thèses sur cette guerre-là. Et il me dit, mais moi, de mon point de vue, on a gagné cette guerre-là. Je dis, pourquoi? Il dit... Mais parce que notre objectif là-bas, c'était même pas les talibans, c'était pas la reconstruction, c'était contenir Al-Qaïda. Puis je dis, mais c'est cynique comme point de vue. Il dit, pas du tout. On avait des intérêts, on les a fait valoir. Là, je lui ai répondu, mais tu t'aides pas, hein, tu sais, en voulant essayer de me convaincre que c'est pas cynique. Alors j'ai eu de... Alors, en entendant ces propos-là, j'ai tout simplement eu la confirmation de tout ce que je sais, de tout ce que je dis à propos de cette guerre-là. Et bon, depuis, ça, disons que ça solidifie un peu la volonté de continuer. Mais sinon, à mon retour d'Afghanistan, j'ai quand même continué. Je suis resté encore deux ans et demi dans l'armée parce que bon, je m'y accrochais quand même. Tu sais, des fois, on me proposait de prendre. On propose des promotions, on propose des mutations. Il restait toujours un petit quelque chose qui était quand même attrayant pour moi. Mais bon, en 2010, j'approchais la trentaine. Il y avait des décisions à prendre et j'étais à ce moment-là très près de repartir une deuxième fois en Afghanistan. J'étais sergent. Je dirigeais une équipe de spécialistes en opérations psychologiques, c'est-à-dire des spécialistes en propagande, en désinformation, en contre-propagande aussi.
un autre outil dans l'arsenal, une autre arme de l'arsenal militaire, un peu moins conventionnel, qui est un peu le côté obscur de ce que je fais actuellement, d'ailleurs. Sinon, donc, j'ai dirigé une équipe de spécialistes, et là, ça m'a permis, parce que pour mener à bien nos tâches, on devait connaître le grand plan, le grand schéma des opérations. Et là, j'ai réalisé, en fait, on m'a confirmé ce que je savais déjà. On n'était pas là pour gagner une guerre. On n'était pas là pour aider une population. Tout ça, c'était une espèce de gros jeu politique. Et ça a enclenché tout un processus de réflexion. Il y a 158 soldats qui sont morts au cours de cette guerre-là, canadiens, dont plusieurs amis à moi, très proches, avec qui j'ai servi en Bosnie, que j'ai côtoyé au fil des années. Il y en a 3000 qui ont été blessés aussi. Et là, tu réalises que tout ça a été pour rien. Et nous, une de nos tâches, c'était de préparer la transition entre nous et les Américains auprès de la population afghane, parce qu'ils allaient nous remplacer dans le secteur où on était. Donc, on se met à réfléchir. Et là, finalement, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. On se pose la question, on se dit, est-ce que j'ai envie de participer à ça? Et là, on se met à repenser à tout ce qu'on a vu avant. Des fois, on se met à repenser un peu à l'espèce de petit élément de lâcheté qui fait qu'on est resté pareil. On n'a pas voulu prendre le taureau par les cornes puis décider, non, je m'en vais, j'en peux. Ce que j'ai pas fait pendant 2 ans et demi, donc... À ce moment-là, j'ai dit non, là, c'est assez. Donc, j'ai quitté. Et le journalisme a toujours été une ambition, toujours été quelque chose d'intéressant pour moi. J'ai toujours aimé écrire. J'ai participé, j'ai travaillé dans des médias étudiants quand j'étais au cégep, à l'université. Donc, pour moi, c'est une transition qui me semblait normale. Et au fil du temps, ben j'ai adopté une démarche de plus en plus engagée, avec un focus peut-être justement sur une critique du militarisme, une critique des interventions militaires occidentales. Et puis, grosso modo, disons que c'est là qu'on est rendu. Alors, l'Afghanistan, ce n'est pas la Bosnie. Quelle est la différence entre les deux? Parce que l'Afghanistan, bon, c'est un pays, on va dire, exotique. La Bosnie, c'est l'Europe quand même déjà, non? Oui, le choc culturel est beaucoup moins violent hein, quand on s'est rendu... C'était beaucoup moins violent quand on s'est rendu en Bosnie parce que, bon, comme vous le dites, c'est l'Europe de l'Est. Hein, mais il y a quand même quelques différences avec l'Amérique du Nord parce que, bon, les Balkans sont quand même juste au sud de la Grèce. C'est pas très loin de la Turquie, c'est pas très loin de la porte hein, vers l'Asie. Il y a toute une influence asiatique, évidemment, bon, qui... Bon, c'est dû à l'Empire ottoman, notamment, qui a été présent dans cette région-là. Mais évidemment que le choc est beaucoup moins grand que quand on se rend dans un pays comme l'Afghanistan, où là, on se retrouve dans une espèce de paysage. Moi, je me rappelle l'avoir décrit comme étant un amalgame entre Mad Max et l'Ancien Testament. C'est un peu comme ça que je le voyais. C'est-à-dire un paysage presque post-apocalyptique, archaïque, mais en même temps, il y avait de l'électricité, il y avait des voitures, il y avait Internet. Donc, c'était quand même... Le choc est beaucoup plus violent, évidemment. Les barrières culturelles avec la population sont énormes. Quoique, en Bosnie, évidemment, la barrière langagière, elle était tout autant. C'est-à-dire que quand on ne parle pas serbo-croate ou qu'on ne parle pas le pachto, il n'y a aucune différence. On ne parle pas la langue, on a besoin d'interprètes. Ça prend une bonne adaptabilité. Et étant quelqu'un curieux de nature, pour moi, ça n'a pas été trop, trop difficile, par contre, de m'adapter dans un cas comme dans l'autre. Mais il y avait aussi une différence dans la mission, parce que la Bosnie, évidemment, bon, la guerre, à ce moment-là, c'était en 2002, donc la guerre était finie depuis... C'est pour ça que j'ai fait référence à l'Europe. OK. Parce que la guerre était finie depuis 6 ans. Déjà, les accords de paix ont été signés en 1996 dans le cas de la Bosnie. Mais on faisait face aux conséquences de la guerre. Donc, évidemment, la Bosnie demeure à ce jour une des régions les plus minées de la planète. Une des choses que j'ai remarquées à l'époque, c'était une espèce de vide démographique, une espèce de trou démographique parce que on voyait beaucoup d'enfants, on voyait beaucoup de femmes, on voyait beaucoup de vieillards, mais des hommes entre 25 et 40 ans, on en voyait beaucoup moins.
Donc ça, c'est un détail qui m'avait vraiment frappé. Les bâtiments encore détruits, les trous de balles, les cratères d'obus un peu partout, il y en avait énormément. Donc on était quand même face aux conséquences d'une guerre qui était extrêmement dévastatrice pour cette région-là. Alors que dans le cas de l'Afghanistan, on est dans une zone active. Là, on est carrément... On est en guerre. C'était une guerre déclarée contre ce qui était à ce moment-là l'insurrection contre les talibans. On parlait beaucoup de l'Afghanistan, par contre, comme une mission d'assistance au gouvernement afghan. C'est-à-dire qu'on considérait que le gouvernement afghan n'était pas capable d'assurer sa propre stabilité, sa propre sécurité. Donc, les forces de l'OTAN étaient là pour un peu faire le travail en essayant d'entraîner des forces afghanes qui seraient capables de prendre leur destin en main. Mais vous êtes beaucoup plus critique sur la mission en Afghanistan. Je m'excuse de vous dire que vous ne dites rien sur la mission dans les Balkans. La mission en elle-même, vous êtes très critique, très analytique sur cette mission-là. Mm-hmm. Là, on est dans le cadre d'une guerre civile en Bosnie, ou dans les Balkans, et vous êtes moins critique. Vous trouvez que l'intervention était justifiée? C'est ça la question. Est-ce que l'intervention était justifiée? J'avoue candidement que j'ai mis mes efforts critiques, surtout sur l'Afghanistan, parce que bon, c'est très contemporain. Hein. Puis j'étends cette critique-là à toutes les missions, la guerre en Irak, évidemment, à ce qui s'est passé en Libye en 2011, à ce qui se passe actuellement en Syrie et en Irak. Je me suis pas encore beaucoup penché sur tout le spectre des missions de ce qu'on définissait de maintien de la paix des Nations Unies, parce que bon... Mais je sais qu'il y a des points de vue très divergents par rapport à cette mission-là. Certains vont dire que c'est une guerre civile, c'est une guerre interne. Non, mais moi, c'est votre sentiment que je veux. Mon sentiment. Le vôtre, pas celui des autres. J'avoue être tiraillé. Je vais vous dire, franchement, je suis un peu tiraillé. Parce que, ultimement, comme journaliste aujourd'hui, je pense que le point de vue... à privilégier lorsqu'on parle d'une guerre, que ce soit de façon factuelle ou critique ou analytique, c'est le point de vue de la population civile. C'est elle qui souffre, c'est elle qui se trouve prise en feu croisé entre des armées qui s'entretuent. Tout l'aspect... Là, vous m'amenez sur le terrain de l'interventionnisme, dans le fond, finalement. C'est là que vous m'amenez. Il y avait une volonté dans le temps où c'était une mission des Nations Unies là, de venir se mettre un peu entre les différentes factions, là, les Serbes, les Croates, les Bosniaques. Je pense qu'il y avait une bonne volonté de le faire, mais à ce moment-là, ils n'avaient pas les outils pour le faire. C'est-à-dire qu'ils sont débarqués là avec des règles d'engagement complètement défaillantes. Les militaires sur le terrain étaient complètement impuissants. On leur disait de ne pas intervenir. On leur interdisait de défendre des populations qui étaient massacrées sous leurs yeux. Et le meilleur exemple de ça, c'est le massacre de Srebrenica, évidemment. Il y a plusieurs critiques à faire. La première, c'est la volonté de non-intervention des Nations Unies ou une intervention purement cosmétique. Mais là, je pense que là où vous voulez en venir, c'est quand l'OTAN a pris le relais des Nations Unies en 1996. Moi, c'est le soldat que j'interroge. Oui. Hein? C'est le militaire canadien qui est sur le terrain. C'est lui que j'interroge. Parce que vous vous êtes posé beaucoup de questions en Afghanistan. Vous venez de nous les raconter. À l'époque, je m'en posais beaucoup moins. Bon, j'avais 21 ans. Comme on en parlait un petit peu tout à l'heure, j'étais quelqu'un de très idéaliste qui croyait beaucoup à ce qu'on faisait à l'époque. J'étais un peu moins en mode questionnement à cette époque-là. Aujourd'hui, j'y repense. Puis c'est un peu ce que je suis en train de vous dire. C'est des réflexions qui sont extrêmement récentes. Mais si vous lisiez mes carnets que j'ai écrits quand j'étais là-bas, il n'y avait rien de très, très... disons que les écrits les plus profonds étaient des tentatives de poésie à propos du paysage local. C'était un tout autre genre de carnet, disons. Mais
Donc, ça, à l'époque, je me posais beaucoup moins de questions. J'étais beaucoup plus concentré sur le travail qu'on faisait parce que j'y croyais énormément. Aujourd'hui, comme j'étais en train de le dire, et j'ai connu des militaires qui se sont rendus comme casque bleu dans les années 90, qui ont été confrontés à ces choses-là, qui en sont venus profondément marqués. Mais le traumatisme vient surtout du fait qu'on leur interdisait d'intervenir. Et ça, c'est une question qui est... Parce que, bon, au nom de la neutralité, tout ça. Et là, l'OTAN, en 1996, comme j'allais vous dire, bon, a pris le relais sur les Nations Unies, a pris carrément... a pris parti dans cette guerre-là contre les Serbes. Donc, on s'est mis à bombarder les Serbes pour arrêter cette guerre-là. Donc, mais... Là, il y avait déjà un changement de donne parce qu'on prend parti dans un conflit qui n'est pas le nôtre. Donc, tu sais, ça rend la chose un peu plus douteuse. Mais je pense qu'il y aurait tous les bureaucrates des Nations Unies qui étaient en charge d'administrer cette mission-là, au-delà d'un simple examen de conscience, un jour, à mon sens, ils devraient répondre de leur décision d'avoir laissé des dizaines, des centaines de milliers de personnes mourir au nom d'une certaine neutralité. Donc, s'il y a un questionnement à faire sur cette mission-là en Bosnie, ce serait sur la complexité de ces conflits-là et sur la complexité réelle d'un concept qu'on essaie de nous vendre comme très simple, c'est-à-dire celui d'intervention humanitaire. Celui au nom duquel on intervient un peu partout sur la planète de façon évidemment très sélective. On va intervenir pour renverser un dictateur en Libye, mais on n'interviendra pas pour en renverser un autre ailleurs. On va tolérer, on va favoriser des dictatures dans d'autres endroits. Bon, tout un volet impérialiste, évidemment, à tout ça. Mais c'est... Intervenir comme ça au nom d'une responsabilité de protéger, tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est quelque chose avec laquelle, j'avoue, être de moins en moins confortable. C'est une idée avec laquelle je suis de moins en moins confortable à force d'y penser. Et ça se traduit beaucoup dans mon travail, d'ailleurs. Mais parce que le monde de 2016, c'est le monde de la mondialisation et on est en train d'organiser le monde à notre image. En fait, c'est la question que je pose. Parce que là, on est en Europe et on est en train de reconstituer complètement le pays. Initial, la Yougoslavie éclate et d'un seul coup, on joue les chefs d'orchestre. Mais est-ce que ça ne va pas nous entraîner je répète, on est en 2016. Est-ce que maintenant, on ne va pas être entraîné comme ça partout à essayer d'organiser le monde à notre manière? Ce que vous êtes en train de décrire, c'est de l'impérialisme avec un grand I. Là. C'est-à-dire que, bon... On peut déjà dire que l'Occident en général est un empire, qu'il soit politique, économique, qu'il soit directement en contrôle de certaines régions ou que ce soit via des sphères d'influence. Est-ce qu'on doit refaire le monde à l'image occidentale? Absolument pas. Absolument pas. Mais comme vous dites, c'est un peu ce qui se produit. Mais regardez un peu la réaction à tout ça. Il y a une montée des... si on regarde... C'est une des raisons pour lesquelles des groupes armés ou des mouvances très radicales dans plusieurs régions du monde, c'est la raison pour laquelle ils sont extrêmement populaires. Parce qu'ils se nourrissent du ressentiment des populations contre cette volonté impérialiste-là. Et c'est normal. Si on débarquait chez nous, comment on réagirait? On peut jouer le jeu du... pour prendre une expression anglaise, du mirror image, on peut essayer de se mettre dans les souliers de l'autre personne. C'est un exercice assez simple quand même. Mais on peut comprendre des groupes comme Daesh, je veux dire, la propagande est au centre et leur arme principale contre l'Occident. Mais on ne peut pas dire qu'on leur rend la tâche très difficile. En poursuivant des politiques qui aliènent des populations entières. Et eux, bon, évidemment, ils sont sur le terrain, ils partagent les mêmes codes culturels, ils partagent la même langue. C'est facile. C'est facile. Puis même si leur projet de société, même si c'est ignoble, et ça l'est,
ça peut devenir séduisant pour un paquet de pour des tranches complètes de population dans ces pays-là. Alors, est-ce qu'on reformer le monde à notre image? Et on pourrait poser la question aussi, au nom de quoi? Alors, est-ce que ce cheminement-là, cette arrivée dans l'armée, est-ce que c'est le fruit d'une éducation? Est-ce que, entre guillemets, vous avez été formaté pour être un gentil? Formaté par qui? La famille, l'environnement. Ah. Oui, OK. On est tous formatés quand on est petit. Oui. C'est pas nous qui choisissons notre éducation au départ. J'ai toujours été un grand fan d'histoire, justement, que ce soit des épopées ou que ce soit des films, des livres, des bandes dessinées où on montre évidemment on montre souvent des mondes très manichéens, les bons contre les méchants. Tout ça, évidemment, ça laisse des traces. Hein. Vous avez été scout? J'ai été un an chez les scouts. J'aurais pu rester plus longtemps. Est-ce que ma façon de voir les choses vient d'une mentalité de boy scout? Peut-être. Pourquoi pas, en même temps. Est-ce que des fois, ça... J'ai été scout. Hein? Ouais. Mais est-ce que des fois ça ouvre pas la porte à une certaine naïveté? Faut rester prudent par rapport à ça, parce que bon, on sait que le monde n'est pas nécessairement manichéen, hein? Et pas nécessairement noir et blanc. Est-ce que j'ai été formaté pour... Mais votre question, parce que bon, c'est quoi être gentil, c'est quoi être méchant? Comme je viens de le dire, c'est complexe. Est-ce que je suis quelqu'un qui essaie d'agir selon certains principes, selon un code moral, selon une philosophie que je considère fondamentale, des philosophies que je considère fondamentales? Absolument. Je crois beaucoup à la justice, je crois beaucoup à l'égalité, des principes que je considère fondamentaux, et d'ailleurs ça m'échappe toujours de voir des gens qui n'y croient pas. Ça reste des débats qui vont au-delà de la conversation, là. Mais oui, je suis un épris de justice, je suis un épris de liberté, je suis un épris d'égalité. C'est un peu ça, c'est un peu cet idéalisme-là qui m'a conduit dans les rangs de l'armée, comme je vous le disais à l'époque. Mais pourquoi ne pas avoir choisi le journalisme tout de suite? J'ai toujours été fasciné par la chose militaire. Mon père a servi dans l'armée, mon grand-oncle a servi pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai grandi dans un environnement, je l'ai dit tantôt, relativement conservateur. Mais j'ai toujours été fasciné par la chose militaire. J'ai fait les cadets aussi pendant quelques années quand j'étais adolescent. Et c'est quelque chose que je voulais essayer. Et comme j'ai déjà... Je l'écris dans le préambule de mon premier essai, l'Afghanicide. Je me suis enrôlé dans l'armée à 18 ans, un peu comme d'autres jeunes se portent volontaires pour aller creuser des puits avec Jeunesse Canada Monde, par exemple. C'est dans le même esprit que je me suis rendu là. Je l'ai fait un peu différemment. Mais c'est par idéalisme que je l'ai fait. Tout à fait. Mais à un moment donné, bon, évidemment, avec le temps, on prend la maturité, au fil des lectures, au fil des réflexions, on se rend compte que le monde est beaucoup plus complexe, hein, qu'il paraît. Souvent, on voit des gens faire des alliances très peu recommandables au nom du « real politic », hein, qui est la politique selon les intérêts et non selon les principes. Quelque chose que je trouve épouvantable, hein, parce que, comme je le disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est les populations civiles. Est-ce qu'on fait des choses qui sont à leur avantage ou pas, quand on se rend compte que qui ne sont pas le facteur important dans une mission? Ben pour moi, c'est à rejeter. Et quand on se rend compte qu'on est un instrument de tout ça, ben c'est là qu'arrive un peu l'heure des choix. C'est là qu'on doit se demander, est-ce que j'accepte de rester l'instrument de tout ça, ou est-ce que je refuse? C'est là que moi, j'ai refusé. Mais évidemment que tout ça, ça vient avec un constat que la vie est beaucoup plus complexe qu'on le pense quand on a 18 ans. Lorsque vous avez donc
circulé dans ces conflits-là. Vous avez rencontré des confrères journalistes? J'ai en Bosnie, non. C'était une mission beaucoup moins populaire médiatiquement à l'époque. Mais en Afghanistan, j'ai croisé plusieurs journalistes au cours de la mission, dont un en particulier, Fabrice de Pierrebourg, qui était à ce moment-là journaliste pour le Journal de Montréal, qui par la suite est passé à la presse, qui aujourd'hui est indépendant. On s'est rencontrés pour la première fois à Kandahar en octobre 2007. À cette époque-là, je m'étais trouvé un petit contrat aussi. J'avais, pendant la mission, du mois d'août au mois de novembre environ, j'écrivais une petite chronique dans le Journal de Montréal. Tout simplement un papier qui... un papier hebdomadaire là, qui... je parlais du quotidien des militaires qui m'accompagnaient. Le journal m'avait donné cette tribune-là. Moi, j'étais en page 5, Martineau était en page 7, j'étais déjà très content. c'est dans ce contexte-là que, j'ai pris contact... On m'a mis en contact avec Fabrice, qui était, comme je le disais, pour le journal, et... on s'est côtoyé pendant quelques jours. Il y en a plusieurs, évidemment, qui ont passé sur notre camp, qui sont sortis avec nous pour nous accompagner dans les patrouilles, les missions, les escortes de convoi, tout ça. Et aujourd'hui, Fabrice, depuis le temps, on a développé une amitié qui, aujourd'hui, qui continue à ce jour. Mais vous aviez la possibilité d'échanger avec ses confrères lorsque vous étiez chacun dans des rôles différents? C'est-à-dire, à ce moment-là, ils n'étaient pas des confrères à proprement parler. Ils le sont aujourd'hui, mais à l'époque, ils ne l'étaient pas du tout, mais oui. Non, parce que je m'interroge sur le passage. Okay. Du militaire à journaliste. Oui, oui. Okay. C'est ça, c'est dans la discussion avec eux qu'est né le désir de changement ou... Pas tout à fait, non. À ce moment-là, j'étais... là aussi, à ce moment-là, j'étais très concentré sur mon travail de militaire. J'avais ma petite chronique, comme je vous le disais, le samedi dans le journal. Le journaliste, je l'avais dit, c'est une ambition qui était un peu on and off depuis déjà quelques années, mais j'étais évidemment très intéressé par ce qu'il faisait. Je passais des fois parce qu'il y avait une tente qui était dédiée pour les journalistes qui étaient en visite. Centre de presse. Il y a un espèce de centre de presse mis là par... géré par l'armée avec des connexions Internet, tout ça, là. Des lits de camp, puis c'était leur coin, c'était écrit Média sur la tente. Des fois, j'allais faire mon tour. Je parlais beaucoup avec Fabrice, surtout avec Fabrice, mais sinon, j'ai pas eu un très, très gros contact avec les journalistes, sauf ceux, évidemment, qui venaient nous voir pour des raisons professionnelles. Et à cause du contexte, je m'en tenais à une relation surtout professionnelle avec eux. Je répondais à leurs questions. Tout ça, mais... Pas d'échange d'idées. Pas avec des journalistes. Les échanges d'idées les plus riches en Afghanistan ont été avec les locaux. Ont été surtout avec les interprètes qui travaillaient avec nous. Parce que, ils étaient des Afghans, mais ils étaient souvent des Afghans un peu plus éduqués parce qu'ils étaient bilingues, pachto, anglais. La plupart avaient fait l'université, surtout à Kaboul. J'étais surpris de rencontrer des gens qui étaient très ouverts et j'ai eu des échanges extrêmement riches, extrêmement fructueux avec un en particulier. Il s'appelait Mohamed Hassan, qui était quelqu'un d'extrêmement cultivé, avec qui on pouvait parler de l'Afghanistan, on pouvait parler de philosophie, on pouvait parler de religion, on pouvait parler d'une foule de sujets, et c'est probablement la relation la plus fertile que j'ai pu avoir là-bas en termes d'échange d'idées. L'autre personne avec qui je parlais beaucoup, c'était l'aumônier de l'équipe de reconstruction provinciale, qui était lui aussi quelqu'un d'extrêmement cultivé, qui était quelqu'un qui... lui, son travail, évidemment, c'était de parler avec des militaires qui venaient le voir pour faisait un peu le travail de psychologue en même temps, officieux de la compagnie. Évidemment, on n'entrait jamais dans les détails, mais au fil des échanges, lui était capable de me parler un peu de ses propres soucis, de toute la transformation, là,
la métamorphose de sa propre vision à lui sur, sur c'est quoi cette guerre-là, sur c'est quoi qu'on fait là-bas. Donc, ça a été aussi une relation qui m'a été extrêmement précieuse là-bas. Mohamed Hassan, vous avez continué à entretenir des liens avec lui? On a perdu contact après quelques mois après que je sois rentré parce que, bon, évidemment, c'était pas facile parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone, il n'y a pas de poste traditionnel vraiment efficace en Afghanistan. Donc, ça a été très facile de perdre contact, malheureusement. Ça, ça fait partie de la petite liste de regrets que j'ai de pas avoir pu garder contact. Quand je suis retourné en Afghanistan en 2013, j'ai essayé de le retracer, mais j'ai pas été capable. Parce que si j'ai bien compris, vous étiez en poste en dehors de Kaboul, donc. Oui, nous, on était à Kandahar, bon, qui est la province complètement au sud de l'Afghanistan, près du Pakistan, évidemment. Une des provinces qui fait frontière avec le Pakistan, donc à quand même, je me souviens plus par cœur, c'est à combien de kilomètres de Kaboul, mais c'est quand même assez éloigné. Et c'était à l'époque là où se déroulait la grande majorité des combats en Afghanistan. Mais je suis allé à Kaboul en 2013, par contre, quand je suis retourné comme journaliste. Encore une fois, c'est une ville qui m'a extrêmement... qui m'a surpris agréablement. Bon, Kandahar, c'était traditionnellement le bastion des talibans. Avant ça, c'est une autre ville extrêmement... qui a une histoire extrêmement riche, hein, une histoire millénaire. C'est une ville qui a été fondée par Alexandre le Grand, parce que Kandahar est une déformation du mot Alexandrie. Hein. Kandahar était une énième Alexandrie à l'époque où elle a été fondée. Mais au fil du temps, au fil des guerres, surtout dans les dernières années, elle a été passablement amochée, évidemment. Mais Kaboul a été un peu plus épargnée par la guerre. C'est une ville qui m'a surpris, entre autres, on y voit, et ça, c'est ce qui m'a frappé le plus, une diversité religieuse assez importante. Évidemment, les mosquées sont légion, mais... Il y avait deux ou trois temples sikhs, si je me souviens bien. Il y avait une bonne proportion de la population qui était hindoue aussi. Et j'ai pu rencontrer le seul juif qui reste en Afghanistan encore. Il habite à Kaboul, dans une synagogue qui en est presque plus une. Mais c'est quand même frappant parce que sur la rue où elle est située, on voit sur la façade des étoiles de David qui sont gravées dans le... qui sont gravés dans la façade du bâtiment. Et c'est frappant parce que, bon, tout ce qu'on nous dit sur l'Afghanistan, tout ce qu'on nous dit sur le rapport entre le judaïsme et l'islam, tout ça, c'est le genre de détails presque anecdotiques, mais qui nous racontent une histoire en même temps et qui viennent un peu déformer ce qu'on nous dit en général sur ce pays-là. On essaie de présenter l'Afghanistan comme un pays où on n'aime pas les étrangers. Alors que moi, mon expérience me dit plutôt que c'est un des pays les plus hospitaliers où j'ai pu me rendre dans ma vie. C'est pas qu'ils n'aiment pas les étrangers, ils n'aiment pas les envahisseurs. Je pense que c'est une distinction très importante. Et alors, le passage, la transition, s'est faite comment? Bon, évidemment, il y a eu le... Tout simplement, j'ai... Ce qui était bien, c'est que, dans l'armée, on peut être soit dans la réserve à temps partiel, dans la réserve ou dans l'armée régulière. C'est-à-dire que les réservistes sont en général à temps partiel, les réguliers travaillent à temps plein avec des contrats à durée déterminée. Les réservistes travaillent sur une base beaucoup plus volontaire. Et moi, même si j'ai fait la grande majorité de ma carrière à temps plein, j'ai toujours gardé mon statut de réserviste. Donc, ça a facilité tout le processus là, pour me libérer de l'armée. Donc, j'ai tout simplement remis ma démission. Un coup de tête? Non, ça a été... Non, parce que la raison... Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'étais sergent à l'époque. Comme je vous disais, je dirigeais une équipe, une petite équipe de spécialistes. Mais bon, j'y croyais plus. J'y croyais plus à cette mission-là. Je suis complètement désillusionné. Mais j'avais des responsabilités quand même. Et c'est là, il faut prendre ça au sérieux, hein, parce qu'on a des responsabilités. Mais la question que je m'étais posé la question, est-ce que je reste? Est-ce que je vais la faire quand même?
quitte à quitter au retour. Mais l'autre réflexion qui a embarqué, ça a été de dire, est-ce que je suis la bonne personne pour diriger cette équipe-là présentement, ou est-ce que d'être là sans avoir la volonté de m'y mettre à 100%, est-ce que je deviens pas une nuisance, est-ce que je deviens pas dangereux pour moi, pour mon équipe? Donc, ça aussi, ça fait partie de la réflexion. Et après avoir trouvé un remplaçant, dans le fond, ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'ai bien organisé mon départ. Une fois que tout ça était en place, j'ai annoncé la nouvelle à mon commandant. Puis bon, il m'a pas. Il essaie de me retenir, évidemment, parce que j'étais un de ceux dans l'équipe qui était le plus au fait de la situation là-bas. Je lisais tous les rapports. J'étais quand même. J'étais militaire, un peu comme je suis journaliste, auteur aujourd'hui, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un d'assez dédié à son travail. Donc, évidemment, mon commandant ne voulait pas me perdre, mais ma décision était prise. Puis j'ai amené ça un peu comme ça. Je pense pas être la bonne personne pour commander l'équipe. Donc, ça a beaucoup facilité le processus. Mais le départ de l'armée, c'est pas l'entrée dans le journalisme. Vous auriez pu aller travailler, je sais pas, pour Amnesty International ou pour autre chose. Pourquoi d'un seul coup le journalisme? J'aime penser que, on peut sortir, c'est-à-dire on peut... Comment le formuler? J'aime penser que, au fond de moi, je suis plus militaire, évidemment, mais je suis quelqu'un qui a besoin d'un combat dans la vie. Et un peu comme j'idéalisais l'armée à une certaine époque, je vous dirais que j'ai toujours aussi idéalisé le journalisme comme étant l'ultime profession dans laquelle on pouvait, dans laquelle on avait beaucoup de liberté, disons, à pouvoir mener des combats. Les ONG, j'ai déjà pensé, mais j'ai toujours trouvé ça, le monde des ONG très restrictif. On n'a pas toute la liberté de faire tout ce qu'on veut. C'est très bureaucratisé. En fait, ça rappelle beaucoup l'armée à certains égards. Évidemment, la mission n'est pas pareille. Si je vous dis ça, les représentants d'ONG qui vont écouter ça vont m'envoyer des messages, m'envoyer des bêtises. Non, non, pas obligé. Mais c'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement très bureaucratique dans les ONG qui fait que je trouve qu'on n'a pas la liberté. Et le journalisme, et j'ai toujours voulu pratiquer le journalisme de façon indépendante. Et là, je voyais tout un éventail de possibilités. Je voyais une liberté ultime à pouvoir travailler, justement, à pouvoir continuer à mener ma vie professionnelle selon les principes que je me suis donné, avec une liberté que je n'ai jamais eue au sein de l'armée. Et le journalisme, comme je vous dis, moi, je suis quelqu'un qui... j'ai pas beaucoup d'idoles dans ma vie, mais j'ai toujours été... C'est assez évident, j'ai toujours été un grand fan de Gilles Courtemanche, hein, qui est un journaliste québécois, un auteur aussi. Et de Camus. On va y revenir parce que je voudrais que vous m'expliquiez la transition quand même. Oui, parce que vous avez la volonté, mais de l'autre côté, il y a quand même obligatoirement l'employeur. Bon, évidemment, vous le savez, la pratique du journalisme indépendant, c'est pas évident. Donc, concrètement, j'ai quitté l'armée, j'ai quitté la mission au mois de juin 2010. J'ai quitté l'armée définitivement en décembre. J'ai commencé à préparer un peu le terrain pour commencer à pratiquer le journalisme pendant ce temps-là, mais officiellement, j'ai commencé à pratiquer le journalisme en janvier 2011, je vous dirais. Nonobstant des petits contrats que j'avais déjà. Je pense que c'est... Je suis passé à travers du passage obligé de tous les journalistes qui commencent, surtout ceux qui commencent à la pige comme indépendants. C'est-à-dire qu'il faut trouver ses premiers contrats. J'ai commencé comme, évidemment, très généraliste. J'ai commencé par cultiver les contacts. J'ai commencé par rencontrer des... Là, ce n'est pas les employeurs, c'est plus une relation client-fournisseur. Donc, c'est à dénicher des clients, rencontrer des rédacteurs en chef,
à aller traîner dans les congrès, dans les 5 à 7. Hein, c'est un peu comme ça qu'on... même si on n'aime pas ça, malheureusement, c'est comme ça qu'on, c'est comme ça que ça commence. Donc, les premières années, c'est sûr que j'ai été très, très, très généraliste. On n'a pas le choix. Mais j'avais déjà l'ambition de pratiquer le journalisme de façon beaucoup plus engagée une fois que je serais plus confortable à le faire, une fois que j'aurais pris assez d'expérience pour le faire, évidemment. Parce qu'on a une vision de ce qu'on veut faire, mais encore faut-il la réaliser. Et bon, comment on le fait, évidemment, c'est en prenant l'expérience, c'est en poursuivant son perfectionnement, c'est en essayant de se trouver des mentors, en essayant de... Et aussi, bon, ça vient avec la pratique. Hein, donc, on doit commencer par le commencement, c'est-à-dire des contrats un peu plus généralistes. Au mois de mars 2011, j'ai eu mon premier contrat à la radio à CIBL, une radio communautaire de Montréal. Je travaillais sur l'émission du matin, je livrais les bulletins de déplacement alternatifs qu'on appelait, c'est-à-dire que c'est comme un bulletin de circulation, mais pour l'autobus, le métro, les conditions météo pour ceux qui se promènent à pied... un peu d'actualité sur ce qui se fait en développement des transports alternatifs dans le monde, tout ça. Donc, ça a été un de mes premiers gros contrats. Mais on est loin de la politique étrangère, quand même, là. On s'en rapproche même pas. On se rapproche même pas de ce que je fais actuellement, évidemment. Mais pour moi, c'est un espèce de passage obligé, mais je savais déjà à terme que je voulais, par exemple, retourner dans une zone de guerre comme journaliste. Je savais déjà que je voulais écrire des livres, je savais déjà que je voulais réaliser des documentaires. J'avais déjà une idée de ce que je voulais faire, comment le faire. Mais à un moment donné, même si on est indépendant, même si on a cette liberté-là, même si on veut, même si on se la donne, il faut prendre un peu de galon avant de le faire. Ce que j'ai fait pendant les deux premières années. Là. Le parcours est atypique, on vient de le voir. Mais quand vous avez rencontré vos premiers rédacteurs en chef, ou les gens que vous fréquentiez dans les 5 à 7, comme vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qui, selon vous, faisait de votre expérience le bon client pour une rédaction? Je pense qu'à l'époque, ce parcours atypique-là n'était pas nécessairement très vendeur. Parce que, bon, l'immense majorité des journalistes en début de carrière, bon, viennent de l'université, surtout des programmes de journalisme. Souvent, les premiers contacts se font au travers de ces programmes de formation-là. Donc, là, tu débarques comme un cheveu sur la soupe, là. Salut, je viens de quitter l'armée, j'aimerais être journaliste. C'est un peu une démarche qu'on voyait il y a de très nombreuses années. C'est un peu comme ça que ça se faisait à une certaine époque. On débarquait tout simplement dans une salle de rédaction. « Salut, je veux travailler. » C'est plus tout à fait comme ça. Donc, il fallait convaincre la personne que bon, « Oui, je suis capable d'écrire. Je suis allé à l'Université Concordia en journaliste, tout ça. J'ai pas fini le programme, mais j'ai quand même suivi les cours. » il fallait développer la capacité de se vendre. Hein. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai pas toujours été très bon dans la vente, que ce soit moi-même ou vendre un produit. Là. Et quand tu deviens le produit, mais bon, c'est pas toujours. Pour moi, ça n'a jamais été une démarche très, très, très évidente. Mais bon, il y en a quand même quelques-uns qui m'ont donné mes premières chances. À cause de votre parcours? Non. Non, plus à cause de ma capacité de les convaincre de me donner une première chance qui n'avait aucun lien avec mon parcours. Et j'ai été surpris aussi, parce que moi, je pensais que ça allait être plus facile. Traiter de sujets militaires, par exemple, puis dire, moi, j'ai fait l'armée, j'ai une connaissance intime du sujet, j'ai un bon réseau de contact encore dans le milieu. Mais c'est un sujet qui est déjà pas très populaire. C'est pas un beat qui est extrêmement populaire. Il l'était pas il y a 5 ans. Il l'est un peu plus aujourd'hui à cause du contexte qui a changé, mais au moment où j'ai commencé, il n'était pas vraiment. Donc, ça a été une difficulté supplémentaire. Je pensais aussi que ça allait être plus facile de vendre l'idée qu'on m'envoie comme correspondant dans une zone de guerre ou quoi. Mais encore là, c'était pas plus facile parce que, de toute façon, il y a une réticence actuellement, au Québec, du moins, à envoyer des journalistes sur le terrain dans les zones de guerre, point. C'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Moi, j'essayais de le faire en disant, ben, OK, c'est dangereux, mais moi, je l'ai déjà fait, tu sais. J'ai une expérience en zone hostile. J'ai, j'ai, j'ai,
je dirais pas un confort, mais une habitude en zone de danger. Mais c'était pas suffisant. Donc, ce que j'ai fait, parce que ça n'annulait pas le fait que je voulais y aller quand même, puis j'ai un petit côté un peu têtu en général. Donc, en 2012, j'ai commencé à monter le projet de m'y rendre. Ça commençait à mes frais, hein, puis quand on voit ce que ça coûte pour vrai, on est un peu découragé. Donc, j'ai entrepris une démarche de sociofinancement qui a été quand même assez fructueuse. J'ai réussi à ramasser une bonne somme qui a permis de couvrir une partie des frais. Et je me suis rendu au Mali. C'était début 2013. Ça faisait déjà quelques mois que le pays est en train de s'écrouler. En 2013, l'armée française était débarquée pour aider l'armée malienne, tout ça. Et là, je me suis rendu là comme journaliste. Ça a été ma première expérience dans une zone de guerre, non seulement comme journaliste, mais aussi comme non-militaire. Et là, on vit l'expérience de la zone de guerre comme de l'autre côté. On voit l'autre côté de la médaille. Et c'est une autre expérience qui nous fait énormément réfléchir et qui m'a fait réfléchir aussi sur... qui m'a ramené à mes années de soldat, qui m'a ramené... Je dis, OK, donc, là, je suis de l'autre côté du canon, hein, si vous me passez l'expression, là. Et aussi, on a la proximité avec la population locale. On a un accès encore plus grand à la population locale. Déjà, il y a la langue. Il n'y a pas le barrage de la langue au Mali. Il l'a moins. C'est-à-dire que plus on s'éloigne de Bamako, plus c'est difficile de trouver des gens qui parlent français, quoique pas impossible. Donc la barrière linguistique est beaucoup moins grande, comme vous le soulignez. Mais surtout, on se met plus facilement dans les souliers de la population locale. Comment elle vit la guerre, comment elle vit toutes ces interventions. Parce que bon, on pourrait consacrer une entrevue entière sur tout ce qui s'est passé au Mali, mais tout ce qui s'est passé au Mali, c'est encore une fois, c'est le fruit, tout ça est le fruit d'une toile, d'une gigantesque toile d'intervention étrangère, qui ont eu lieu, notamment la Libye. Le renversement de Kadhafi en Libye a permis aux Touaregs indépendantistes de mieux s'armer, donc d'affronter une armée malienne qui était déjà à peine en mesure d'affronter les différents groupes armés dans le désert. Donc une intervention en Libye, encore une fois, gracieuseté de l'Occident. Ensuite de ça, bon, le retour de la France dans son ancienne colonie, c'est pas tout le monde qui voyait ça nécessairement d'un bon œil, même si l'intervention était réclamée quand même. C'est-à-dire quand on la regarde au premier degré, disons qu'elle était même souhaitée, parce que ça permet d'arrêter des massacres, ça permet de... parce que bon, tout ce qui se faisait dans des villes comme Tombouctou, là, la mainmise des islamistes à Tombouctou, c'était pas encore une fois, culturellement, c'était pas des pratiques qui étaient familières au Mali. C'est une idéologie qui vient de l'Arabie Saoudite. T'sais. Donc c'est je voyais tout ça. Bon, là, faut l'aborder, faut le travailler parce qu'on est là comme journaliste. Mais je trouve même, excusez-moi, cette critique, ne s'arrêter qu'à Kadhafi, c'est peu. Parce que l'histoire du Mali, elle procède déjà... Il faut remonter au Moyen-Âge. Ah ben oui. Donc, c'est la conséquence... Prenons les cinq dernières années faire court, mais de toute façon... Non, parce que là, on est dans un stade, on est en 2016, c'est la réorganisation complète du monde. Le colonialisme, c'est aussi le fruit d'une histoire. Ça remonte à très très loin. Oui, ça remonte. Et comme vous le dites, même tout ce qui s'est passé, que ce soit en Afrique ou n'importe où, c'est le fruit de l'histoire. Absolument pas. Mais encore une fois, on peut pas défaire l'histoire. Hein. Faut s'en accommoder. Mais par contre, ça doit pas servir d'argument pour laisser certaines choses non plus, ou pour justifier. Justement, cette espèce de néocolonialisme auquel on est confronté actuellement et dont nous sommes les perpétrateurs actuellement, les instigateurs.
vous me pardonnerez l'anglicisme, mais l'Occident en est l'instigateur actuellement. Mais bon, pour ce qui est du Mali, et là, on... Bon, je me permets de glisser une remarque personnelle, ce que je ne fais jamais, mais quand on parle de l'Afrique, on oublie toujours la préhistoire coloniale. C'est-à-dire que on oublie complètement toute la partie, j'allais dire, lointaine de l'histoire de l'Afrique. Et dans notre mentalité d'Européens blancs, l'histoire de l'Afrique commence avec l'arrivée des Occidentaux. Un peu d'ailleurs comme l'histoire du Canada, l'histoire du Québec commence avec l'arrivée de Champlain. Il faudrait quand même qu'on se remette dans la tête que l'histoire a commencé avant qu'on soit là. Vous parlez du Canada. Je parlais du Mali. Mais vous parlez du Canada. Là, on a souvent tendance à penser que l'histoire commence avec Jacques Cartier en 1534, alors que les Vikings avaient des campements temporaires au nord de Terre-Neuve, au 11e siècle déjà. Donc, évidemment, c'est faire un peu court hein, que de... Parce que c'est une tendance lourde, ça. Et je crois que c'est une conversation, là. Il faut réinventer ça. Mais c'est une tendance lourde, mais c'est aussi... Mais on en est coupable, mais je pense que n'importe quelle culture va en être coupable. C'est ethnocentriste comme réflexion. On a tendance à penser que l'histoire commence avec nous. Hein? Et si on étend ça à l'Occident en général, on dit que l'histoire commence avec... les débuts de la colonisation. Mais non, il y avait des peuples qui existaient avant. Prenons un exemple qui est un peu vulgaire, un peu grossier, mais l'Égypte antique, l'Égypte moderne, c'est deux mondes complètement différents. Je suis désolé de vous avoir interrompu. Ah non, ça va. Mais là, pour revenir au Mali, bon, je me suis dit, j'ai beau m'être préparé pendant quelques mois à lire... à lire sur le Mali, à lire de la littérature malienne, à écouter de la musique malienne, parce que bon, il y a la préparation au contexte politique, social, économique, mais il faut s'imprégner de la culture aussi pour bien la comprendre. Donc, j'ai beau m'être préparé, mais bon, en parlant avec les gens, surtout en réussissant à parler avec des gens qui venaient de Tombouctou, qui venaient de Gao, donc des régions qui ont été très affectées par tout ce qui s'est passé là, en 2012-2013, je me suis mis à constater que c'est encore beaucoup plus complexe que je le pensais. Et là, je reviens au lien qu'on fait entre ce qui s'est passé au Mali et en Libye, deux ans auparavant. J'ai pas pu me rendre au nord, j'ai pas pu me rendre à Tombouctou, parce que bon, l'armée française bloquait l'accès et juste les journalistes qui étaient embarqués avec l'armée pouvaient s'y rendre, ou sinon par avion Nolisée, mais bon, ça coûtait 3 000 $ de billets. Avec un budget d'indépendant, on peut rarement se payer ce genre de luxe-là. Donc, j'ai quand même réussi à me rendre le plus au nord que j'ai pu. Et là, j'ai commencé à voir dans plusieurs villages des infrastructures, des mosquées, des écoles, des bâtiments. Et là, on voyait des pancartes en français et en arabe qui disaient que ces infrastructures-là avaient été payées par le gouvernement libyen, par le gouvernement de Kadhafi, et certaines pancartes avaient des photos même de Kadhafi. Et là, j'ai commencé à poser les questions aux gens. J'ai dit, c'est quoi le rapport? C'est quoi votre rapport avec Kadhafi? Et là, je me suis rendu compte que plus on montait au nord, plus il y avait une perception positive de Kadhafi, parce qu'il était présent. Il était vu comme un bienfaiteur pour le Mali. C'était un homme du désert. Et c'était un panafricaniste. C'était un pan-arabe, c'était un panafricaniste, mais bon, l'aspect panafricain est plus important dans le contexte malien. Il était perçu de façon positive et sans le dédouaner de tout ce qu'il a pu faire durant son régime. Ça nous fait voir les choses différemment. Ça nous fait repenser cette intervention-là qui a eu lieu en 2011 différemment. Mais ce qui est dommage, c'est que quand on essaie de traiter de cette complexité-là dans les médias, la réception est un peu tiède. C'est-à-dire qu'on ne nous permet pas nécessairement d'élaborer sur ce genre de... sur cette facette-là de ce conflit-là, par exemple, parce que ça ne va pas du tout dans le script hein,
qu'on veut bien continuer d'entretenir. Un peu comme l'Afghanistan, quand je me suis rendu en Afghanistan, une des choses que j'ai voulu faire, et j'ai réussi à le faire, c'était de rencontrer un taliban. De m'asseoir, prendre le thé avec un taliban. Un ex-taliban, j'ai pu rencontrer un ancien commandant qui s'était battu contre les soldats canadiens, d'ailleurs, en 2006-2007. Qui était un des commandants principaux de la région du district de Panjwahi à Kandahar. Il pouvait avoir entre 750 et 1500 combattants sous ses ordres, du moins c'est ce qu'il m'a dit. Mais c'est parce que mon expérience au Mali, c'est un peu ce qui m'a inspiré à vouloir justement rencontrer cet homme-là pour essayer d'aller regarder l'autre côté du conflit. Parce que c'est au Mali que je me suis rendu compte qu'on ne peut pas se limiter comme trop de journalistes ont tendance à le faire, je pense, se limiter à la vision occidentale du conflit. Je comprends pas le fait de le faire, mais je peux comprendre le réflexe, peut-être. C'est-à-dire que notre auditoire est occidental, donc on lui raconte. Mais justement, si notre travail est de faire comprendre à l'auditoire, au public, ce qui se passe là-bas, on doit en examiner toutes les facettes, même les facettes qui sont peut-être un peu moins plaisantes ou qui dérogent, disons, du discours officiel. Et ça, malheureusement, c'est pas quelque chose qui est très présent dans les médias en général. C'est surtout à travers des médias indépendants qu'on va le voir. Ce qui renforce un peu, je vous dirais, ma volonté de continuer à travailler comme indépendant. Donc, vous partez avec un financement parallèle, on va dire. Et le client final? J'ai quand même réussi à vendre quelques textes, rien pour récupérer les frais que moi j'avais engagés, malheureusement. Mais bon, j'ai pu publier dans la Gazette des femmes du Québec, j'ai pu faire des comptes rendus à la radio de Radio-Canada, à Québec et dans d'autres stations hors Montréal. J'ai publié dans des médias indépendants comme le journal Ensemble. J'ai publié dans l'actualité aussi, j'ai publié un photoreportage dans l'actualité. Par contre, l'Afghanistan, ça a été beaucoup plus fructueux. Les clients que j'avais eus pour le Mali, j'avais les mêmes pour l'Afghanistan. J'ai publié dans la presse, j'ai pu publier dans Vice aussi. Donc, je me suis dirigé du côté anglophone. J'ai produit un court-métrage récemment et ce voyage-là a aussi servi de base pour mon premier essai, l'Afghanicide, qui est paru en mai 2014. Et j'ai l'intention de continuer de travailler ce matériel-là parce que le conflit en Afghanistan, bon, évidemment, est terminé pour nous parce que le Canada s'en est dégagé, désengagé. L'Occident, les États-Unis maintiennent quelques troupes là-bas, mais il n'y a pratiquement plus de présence militaire occidentale. Donc, on a l'impression que c'est terminé, mais ça continue. Ça continue pour les gens qui sont encore là-bas, pour des gens qui, je m'en suis rendu compte, se sentent un peu trahis par le Canada, mais pas en particulier, entre autres, parce que, bon, on a le sentiment qu'on a tout bonnement quitté sans terminer le travail. On se sent... Il y a beaucoup de gens là-bas qui se sentent comme des accessoires d'une guerre qui n'est absolument pas là pour les protéger ou pour servir leurs intérêts. Et bon, on constate aujourd'hui, malheureusement, tout ce qui se passe en Afghanistan actuellement confirme la défaite de l'Occident, finalement. C'est-à-dire, les talibans sont de plus en plus présents. L'État islamique commence à mettre son empreinte en Afghanistan, au Pakistan aussi. Donc, c'est là qu'on se rend compte, tout ça pour ça. Et je pense que ça va être important de continuer d'en parler. Alors, économiquement parlant, finalement, journaliste indépendant, vous rentrez dans vos frais ou vous avez perdu beaucoup d'argent? J'ai perdu de l'argent. Une somme assez appréciable, n'entrons pas dans les détails. Je vous dirais qu'actuellement, à cause de la nature du travail, c'est extrêmement difficile d'en vivre directement. Souvent, on m'invite dans des
dans des classes au cégep ou à l'université ou à l'UQAM. Je suis allé faire mon tour à 2 ou 3 reprises à l'Université du Québec à Montréal dans le programme de journalisme. Et ce que je dis souvent aux jeunes étudiants, je leur dis, le journaliste, bon, la première question à se poser, c'est pas ce qu'on veut en faire, mais quelles sont nos attentes par rapport à ce métier-là? C'est-à-dire, si tu vas en journalisme pour gagner de l'argent, change de programme. Surtout comme indépendant, et disons que les portes à l'embauche ne sont pas grandes ouvertes non plus. Je disais plutôt que, bon, pour moi, le journaliste, c'est plus... Je le sous-entendais un peu plus tôt, en fait. Pour moi, le journaliste, c'est plus qu'une carrière, c'est une vocation. Et je la traite un peu comme je traitais ma vocation militaire à l'époque où j'y croyais encore. C'est-à-dire que, pour moi, c'est important d'avoir une pratique professionnelle à laquelle on croit. On le sait, là, beaucoup de gens... C'est un métier? Je vous le dis, c'est une vocation. Est-ce que c'est un... Là, je ne sais pas si vous m'amenez sur la distinction métier versus profession versus... Non, c'est parce que j'avais un ami italien qui était journaliste qui me disait « Journaliste, ce n'est pas un métier, mais c'est mieux que de travailler. » C'est une façon intéressante de le voir. une façon très intéressante de le voir. Mais pour moi, c'est une vocation avant tout. Mais c'est mieux que de travailler. Mais c'est du travail. Oui, vous travaillez 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 12 mois par an? Ah, quand même pas. On décroche de l'actualité? Ben, c'est essentiel à un moment donné, je pense. Et moi-même, parfois, j'avoue être un peu une espèce de cordonnier mal chaussé, dans le sens où bon, certains sujets d'actualité très... l'actualité très chaude, là, des fois, je suis pas toujours au courant de ce qui se passe parce que je suis très investi dans les sujets sur lesquels je travaille. Donc, les sujets qui font l'actualité du moment, parfois, je m'y perds un peu. Mais bon, évidemment, on dit que l'actualité ne prend jamais de vacances. Hein. C'est pour ça que moi... Et ça, c'est une facette que je trouve très intéressante comme journaliste indépendant. C'est qu'on se permet à la longue de choisir nos sujets, de choisir nos projets et de choisir le format de nos projets. Bon, au-delà de la nécessité de faire des plus petits projets plus rapides pour essayer de gagner un peu d'argent, moi, je suis très intéressé par, bon, je vais encore prendre une expression anglaise parce que c'est elle qui le véhicule le mieux, je trouve, le long form, qu'on dit. Donc, un journaliste qui se livre via de longs textes, via des courts-métrages, documentaires, le livre. Multi-support, tout à fait. Je vous parle plus de format que de plateforme actuellement. Mais la plateforme qui vous livre un récit détaillé, ça peut se livrer de toutes sortes de façons. On peut avoir, je vous parle de documentaire. Moi, je pense que le documentaire est une avenue extrêmement intéressante pour les journalistes, surtout indépendants, surtout ceux et celles qui ont une démarche un peu plus engagée comme la mienne. Une forme de récit, bon, beaucoup plus, un peu plus cinématographique, qui permet un peu plus de liberté, sans jamais, par contre, transgresser certains principes déontologiques essentiels, comme la rigueur, comme la recherche de faits, la vérification de l'information. Ça, faut jamais qu'on soit engagé ou qu'on le soit moins. Il y a quand même des principes déontologiques qui demeurent les mêmes, mais ce sont des façons de livrer l'information, de livrer le propos qui sont très intéressantes pour les journalistes indépendants. Mais là, je vous parle de documentaire, ça peut être sous forme de film, ça peut être sur le web. Présentement, là, je ne m'intéresse pas concrètement, mais la réalité virtuelle ouvre des possibilités aussi de format journalistique. C'est pas tout à fait du journalisme, mais je suis allé il y a quelques mois. Il y a une exposition actuellement à la bibliothèque, à la Grande Bibliothèque de Montréal, qui s'appelle La Bibliothèque la nuit. Et c'est une visite virtuelle de plusieurs bibliothèques dans le monde, non seulement dans le monde, mais aussi à travers l'histoire. On peut visiter la bibliothèque d'Alexandrie, on peut visiter la bibliothèque de Sarajevo pendant la guerre. Donc, mais c'est.
la réalité virtuelle nous permet de nous y plonger et on est face à une livraison. On apprend, on est informé et le journaliste pourrait s'en inspirer. Donc, mais là, en littérature, il s'en est inspiré. Il y a eu beaucoup de journalistes qui se sont exprimés par le roman. C'est ce qu'on a appelé, il y a eu toute une époque, une école américaine là-dessus, c'était le nouveau journalisme. Le new journalism, oui. Ben oui, avec des représentants comme Tom Wolfe, notamment, qui est probablement la figure emblématique, en fait, du nouveau journalisme. Truman Capote aussi. Hunter S. Thompson, dans un genre tout à fait différent. Il y a eu Richard Kapuscinski aussi en Pologne qui a beaucoup écrit sur l'Afrique, mais à qui on a reproché certaines exagérations parce que, quand on parle de journalisme littéraire, je pense que la tentation la plus difficile à résister pour certains est probablement celle de l'exagération, c'est-à-dire celle de s'abandonner complètement au procédé littéraire. Mais ça me ramène à Gilles Courtemanche. Qui au Québec est un exemple, parce que bon, Donc ça, c'est un livre que vous lui avez consacré. Oui. Pour faire référence pour nos auditeurs, c'est votre dernier livre. Oui, mon plus récent. Mon plus récent, parce que quand on dit mon dernier, t'en feras pas d'autres. Non, c'est tout. Il y a beaucoup de projets sur la table. Mais oui, c'est mon plus récent. Un livre qui s'appelle Une juste colère. Gilles Courtemanche, un journaliste indigné. Qui est paru en février dernier. Je parle beaucoup du journaliste, je parle de l'auteur aussi, parce que Courtemanche s'est beaucoup servi de la littérature pour aborder des sujets qui lui étaient très chers, l'Afrique en particulier, au travers de deux livres, notamment « Un dimanche à la piscine à Kigali », qui est paru en 2000, et « Le monde, le lézard et moi », qui est paru, lui, en 2009. Donc, deux livres qui traitent, un traite du Rwanda, l'autre traite du Congo. On est en présence, par contre, de fiction. C'est-à-dire que le personnage... Je vais prendre l'exemple d'un dimanche à la piscine à Kigali. Le personnage de Bernard Valcourt, le protagoniste, est un journaliste affecté au Rwanda, vit le génocide, tombe amoureux d'une jeune Hutu. On est dans le récit fictif parce que, bon, Bernard Valcourt n'existe pas. Le personnage de Gentil n'existe pas non plus, mais le contexte, lui, existe. Bernard Valcourt, c'est tout simplement l'alter ego de Gilles Courtemanche. Et tout ça pour dire que, dans son cas, comme je l'explique, on n'est pas en présence d'un journalisme littéraire pur, parce que le journalisme littéraire met en scène des personnages réels, dans les situations réelles, dans les conditions idéales. On pourrait parler longtemps de Kapuscinski, qu'on accusait de s'en être permis énormément de ce côté-là. Donc, au moins chez Courtemanche, la démarche est honnête. Donc, on est dans la fiction. Mais c'est une fiction qui se déroule dans un contexte qui, lui, a été réel, c'est-à-dire le génocide rwandais. Et c'est une démarche qui est intéressante parce que ça lui a permis, parce que, bon, il a vécu au travers de sa carrière d'immenses frustrations devant l'indifférence, non seulement pour ce qui est de l'information internationale, mais pour ce qui est de l'Afrique en particulier. Ça a toujours été extrêmement difficile de vendre à un rédacteur en chef la pertinence d'un sujet qui nous vient de l'Afrique, alors que la pertinence est pas très discutable, selon moi, surtout quand on regarde tous les intérêts économiques canadiens, disons, en Afrique. Évidemment, c'est pas toujours très, très propre ce qui se passe là-bas. C'est peut-être une autre raison pour laquelle on veut pas en parler, mais je m'égare. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai beaucoup aimé votre livre, mais le processus de Courtemanche est l'inverse du vôtre. C'est-à-dire que lui, il commence à travailler dans des rédactions classiques qu'il quitte. Parce que c'est un gueulard. Oui. Et il arrive donc à la pratique individualiste même du journalisme, où la rédaction disparaît, qui est un peu la vôtre aujourd'hui. Donc, la question que je vais vous poser, elle est simple. Est-ce que vous êtes un gueulard ? J'aime penser que je suis une grande gueule. Gueulard, je sais pas. J'ai un problème, attendez, ça va se rallier, mais voilà. On recommence? Non, c'est bon. OK. Non, j'aime pas. Le mot gueulard, je sais pas, mais j'aime penser que je suis une grande gueule. Oui, je suis
Je pense que un des rôles du journaliste, comme témoin privilégié d'un événement, d'une situation, devrait avoir le droit de prendre une position. Il est sur le terrain, on devrait lui faire confiance. Parce que, bon, à une certaine époque, le journaliste était considéré comme un intellectuel, dans un certain sens. Il y avait une pratique beaucoup plus intellectuelle du journalisme. Et là, bon, on parlait d'automatisation, on parlait des changements technologiques, tout ça, mais aussi par la corporatisation de la profession, l'achat par des grandes compagnies, tout ça. Il y a eu une standardisation du journaliste qui a mené, peut-être justement à ce que moi j'appelle un désengagement intellectuel de la profession. Mais on devrait pouvoir permettre aux journalistes de prendre une position, de pouvoir analyser ce qu'ils voient. C'est comme si le média ne faisait pas confiance aux journalistes pour pouvoir dégager un point de vue d'une situation X. Trop de fois, on voit des journalistes rendre compte d'un événement, que ce soit partout n'importe où dans le monde, et là, on va déférer vers un expert qu'on a sorti d'une bibliothèque, de son bureau à l'université, pour analyser la situation. Pourquoi? Pourquoi lui n'alimentera pas le journaliste qui, lui, va pouvoir... qui a une vision beaucoup plus complète de la situation? Bref, ça peut venir extrêmement fâchant par moment. Mais sinon, aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une période... on le sait, on vit des chamboulements politiques, économiques, sociaux incroyables qu'on n'a pas vus depuis des décennies. On est bombardé d'informations par les réseaux sociaux. Les médias, se multiplient sur le web. Mais surtout, on vit une période justement de grande transformation. Et je pense que le fruit est mûr et on doit en profiter pour redonner sa place à un journaliste qui est engagé. Des journalistes qui vont prendre position, mais qui vont, contrairement aux petits commentateurs... Moi, je les appelle les artisans de l'opinion express, là. C'est-à-dire l'opinion minute, celle qui est livrée quelques instants après qu'un événement se soit déroulé. Un journalisme engagé, mais qui est ancré, comme je le disais, dans des pratiques déontologiques, dans des principes déontologiques, la rigueur, le factuel, la vérification de l'information. Mais tout ça ne devrait pas exclure un rejet de cette top... un rejet de la neutralité, de cette idée de neutralité journalistique qui est rendue le principe fort, qui est rendue le principe déontologique fort et qui ne devrait pas nécessairement l'être. Parce que, je parlais de multiplication des médias avec l'Internet, tout ça, au travers de ça, il y a énormément de propagande et de désinformation à laquelle le public fait face. Des fois, une propagande qui est livrée par des médias, carrément par des médias. Le meilleur exemple au Canada a été récemment Sun News, qui était de facto l'organe de propagande du Parti conservateur, qui était finalement une espèce de Fox News canadien. On voit au travers des grands médias, pas nécessairement une prise de position, mais en fait, il y en a une, mais c'est celle du statu quo. Il n'y a rien de très révolutionnaire qui sort des grands médias comme réflexion, comme prise de position. Mais il y a un besoin actuellement de ça. Il y a un besoin d'indignation. Et les journalistes engagés, indépendants, sont les mieux placés, selon moi, pour le faire. Et une des inspirations sur laquelle on peut s'aligner, si on veut, c'est pour moi des journalistes comme Gilles Courtemanche qui, au travers de leur carrière, ont payé un prix assez fort pour, justement, s'être permis cette indignation-là au travers de leur travail. Vous le mentionnez, il a commencé sa carrière dans des salles de rédaction classiques, il a commencé à Radio-Canada au début des années 60,
Il a été renvoyé à plusieurs reprises de ce média-là, mais bon, une bonne partie de sa carrière s'est faite de façon indépendante. Mais même, vous disiez que j'ai le parcours un peu inverse, mais encore aujourd'hui, le contexte est différent. On parle de l'âge d'or des médias, c'est-à-dire une époque où on pouvait à peine sortir de l'école et avoir avoir un emploi de journaliste dans une salle de rédaction beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, c'est presque impossible d'entrer dans une boîte comme Radio-Canada ou la presse immédiatement. Ça y va de stage en poste de surnuméraire contractuel. Là, c'est la précarité... C'est la précarité à perpétuité, hein, si vous voulez. Là. C'est une époque, c'est un contexte complètement différent. Mais je leur dis, le fruit est mûr. Et le journalisme engagé, pour moi, est non seulement une voie à privilégier, mais c'est une voie nécessaire aujourd'hui. Alors, sur votre portrait Facebook, sur votre page Facebook, il y a Camus. Oui, ben je l'ai changé il y a quelques jours. Mais mais longtemps, je suis un grand lecteur de Camus, je suis un grand fan de Camus, de sa philosophie. Et à ne pas oublier, Camus, avant d'être l'auteur de L'étranger, de La peste, de L'homme révolté, qui est selon moi son ouvrage le plus important. Selon moi, selon d'autres aussi, là, mais pour moi, c'est son livre le plus abouti. C'est l'apex de sa pensée. Évidemment, il est décédé quelques années plus tard. Oui, Camus, c'est un philosophe qui m'influence énormément. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'avant d'être l'auteur de tout cette œuvre-là, Camus a été journaliste. À la fin des années 30, il était journaliste pour Le Soir républicain à Alger. À plus forte raison, il a été éditorialiste et rédacteur en chef de Combat, qui était à l'origine la revue, le journal clandestin de la résistance durant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que bon, Camus, en raison de sa santé fragile, a voulu à une certaine époque, malgré qu'il était pacifiste, a voulu se joindre à l'armée, a voulu combattre, mais bon, sa santé fragile ne lui a pas permis, donc il a pris la plume au sein de la résistance. Mais si vous lisez ses éditoriaux, ses articles, c'est d'une puissance inouïe qu'on ne voit presque plus. Et si je pouvais vous recommander un seul article d'Albert Camus, c'est celui qu'il a publié le 8 août 1945, donc, deux jours après le bombardement atomique à Hiroshima, s'il y a un article à lire pour se convaincre de la puissance de sa plume et de la puissance de la plume, c'est celui-là. Pour moi, c'est un des plus beaux éditoriaux de l'histoire du journalisme en Occident. Donnons-lui le crédit qu'il mérite. Mais il y a toute une tradition journalistique aussi, un peu, même encore plus ancienne que Camus. Il y a Albert Londres, qui a publié des reportages fabuleux, notamment au bagne, qui sont plus connus, mais livré avec une colère, mais qui est nécessaire pour ce type de journalisme-là. Il y a une verve là-dedans, il y a une indignation qui semble de moins en moins possible aujourd'hui, je le disais, à cause notamment de la corporatisation des médias. Bon, là, on parle d'une époque où les journaux étaient généralement indépendants, par défaut, et on peut reculer encore, toute la tradition des pamphlétaires, il y a une richesse dans les textes, et je pense que tout journaliste doit se plonger dans la lecture de cet univers-là, que ce soit Camus, Londres, les pamphlétaires, le J'accuse d'Émile Zola devrait être une lecture obligatoire, même si ce n'est pas un article de journal à proprement parler. C'est pas un éditorial non plus, mais c'est un texte d'opinion qui n'a rien à voir avec les inepties qu'on peut lire aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a ici au Québec des vecteurs, des soutiens du journalisme critique, engagé, que vous évoquez? Des soutiens, c'est-à-dire que... Vous travaillez par exemple pour Ricochet. Oui.
Oui, bon, Ricochet qui est un média complètement indépendant, publié en français et en anglais, strictement sur Internet. Donc, avec indépendance vient nécessité de trouver son propre financement. Et c'est là que, bon, c'est là que le bas blesse, parce que financer un journalisme qu'on veut rigoureux, qu'on veut de qualité, on voudrait pouvoir faire des enquêtes sur des sujets qui ne sont pas creusés dans les grands médias, mais tout ça, ça prend des ressources, ça prend de l'argent. Et les médias indépendants en général n'ont pas. C'est pas toujours très facile de trouver ce financement-là parce que, bon, quiconque s'est mis à la recherche de financement pour des projets, quels qu'ils soient, c'est un travail à temps plein, juste trouver de l'argent. Donc, trouver des gens qui vont pouvoir le faire, payer ces gens-là, c'est pas nécessairement évident et ça laisse beaucoup moins de temps pour produire le journalisme dont on rêve. Ça veut pas dire qu'on le fait pas. Je trouve que Ricochet... entre autres, on parle de Ricochet parce que c'est l'exemple qu'on connaît, c'est le média auquel je collabore le plus, mais il y en a d'autres au Québec, et pas nécessairement des médias engagés. Une de mes collègues, journaliste indépendante, Marie-Ève Paradis, a lancé il y a quelques années un média qui s'appelle Planète F, un média complètement sur le web qui se consacre aux sujets liés à la famille. Mais contrairement à des grands médias qui vont aborder les mêmes sujets, elle crée des dossiers et des fois va les aborder de façon plus critique, que ce soit des dossiers sur la pédiatrie ou sur d'autres sujets. Il y a une approche qui n'est possible que si le média est indépendant. Et elle le fait avec brio, mais encore une fois, le financement est toujours extrêmement difficile. Pour revenir à des médias engagés comme Ricochet, on pourrait parler du journal Ensemble aussi, auquel j'ai collaboré, qui est un média coopératif qui a racine dans le Bas-Saint-Laurent. On aspire à un journalisme, évidemment, qui va nous permettre de publier des dossiers d'enquête, de faire ça avec une rigueur qui rivalise avec les grands médias. Mais évidemment, ça prend des ressources. Et ça, c'est ça qui n'est pas toujours évident. Est-ce que c'est une contre-culture, le départ d'une contre-culture? Il y a une petite tradition. Dans la conversation, on a reculé jusqu'à la fin du 19e siècle, mais au Québec, il y a une historique de médias plus engagés, on a eu nos pamphlétaires aussi, on a eu Arthur Buis, on a eu Olivier Asselin, on a eu Jules Fournier, on a eu des gens du monde du 19e et du 20e siècle. Le journal Le Devoir, fondé par Henri Bourassa, était au départ un média extrêmement engagé, ancré dans le nationalisme canadien-français, opposé à la Première Guerre mondiale. Il est né dans un contexte assez particulier. Plus récemment, on a eu, à la fin des années 60, durant les années 70, des médias comme Québec Presse, le journal Le Jour, auquel a participé Gilles Courtemanche, d'ailleurs, il a participé à la fondation de ce journal-là, qui a été fondé par Yves Michaud, militant indépendantiste de très longue date. Donc, il y a des médias comme ça qui sont nés au travers de l'histoire du Québec. Donc, est-ce qu'on assiste à la naissance de quelque chose? Non, on assiste à la renaissance de quelque chose. Du moins, je ne sais pas si on y assiste, mais on essaie de cultiver une renaissance des médias indépendants, engagés. Mais qui ne verse pas, par contre, et ça, c'est une distinction importante à faire, qui ne verse pas dans le militantisme. C'est-à-dire que des médias militants, il y en a énormément, on en connaît tous, des médias qui sont rattachés à une cause particulière. Je pense que le journalisme engagé, la différence fondamentale entre le journalisme indépendant et engagé, c'est que le journalisme engagé sert sa propre cause, c'est-à-dire le journalisme. Et n'est pas nécessairement rattaché à une cause particulière comme, par exemple, l'antimilitarisme ou l'écologisme ou le féminisme ou l'indépendance. Donc, le journalisme engagé milite pour sa propre cause. Le journalisme plus militant ou la communication plus militante est attaché à d'autres causes et se consacre à ça. Et parfois, le militantisme... il y a cette tentation-là aussi, où ce piège, il y a le piège de
qui est toujours présent, de tomber dans la propagande, toujours. T'sais. Donc, c'est la limite à laquelle le journalisme engagé, à laquelle il ne doit pas céder. Donc, où est-ce que j'en étais avec tout ça? Non, c'est... On va terminer par un conseil. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune journaliste, parce que, bon, chacun s'est rendu compte que vous êtes passionné, que vous êtes passionnant, d'ailleurs, quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui a l'intention de se lancer dans le journalisme? Il y en a plusieurs. On pourrait faire facile puis dire il faut adopter le minimalisme comme mode de vie, mais c'est pas nécessairement. Il faut surtout croire en ce qu'on fait. On peut pas, comme journaliste indépendant, à cause de la précarité du milieu, on peut pas s'y engager si on n'a pas la conviction de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on peut s'y engager, mais on survivra pas. On va basculer du côté obscur, puis on va se ramasser du côté des relations publiques. Présentement, on parle d'environ 4,3 conseillers de relations publiques pour un journaliste au Québec, c'est énorme. Donc, il y en a déjà assez. Mais pour ce qui est des... Mais oui, il faut croire en ce qu'on fait. Il faut y croire fermement. Et je dirais aussi que le programme, c'est-à-dire une formation en journaliste, c'est pas la panacée. J'ai fait la moitié du programme de journaliste de l'Université Concordia. J'ai appris toutes sortes de choses. Mais si c'était à refaire, j'irais faire des études dans un autre domaine qui viendrait élargir ma culture générale. Parce que le journaliste peut s'apprendre en travaillant dans les médias étudiants, en travaillant dans les médias communautaires. Tout l'aspect technique peut s'apprendre à l'extérieur du programme de journalisme. Donc, et pour moi, les qualités principales, c'est la curiosité, la rigueur et la volonté d'acquérir une connaissance, une culture générale extrêmement vaste. Au sein de laquelle j'inclurais la philosophie. Mais bon, ça, c'est personnel. Mais, se monter un système d'acquisition très large de connaissances et surtout avoir la conviction de ce qu'on fait parce que, comme on le dit souvent pendant l'entrevue, la précarité est au rendez-vous, sauf pour une poignée de gens qui sont meilleurs pour se vendre que d'autres, disons.